J'ai longtemps pensé être un bon pro et un mauvais créatif. Et puis j'ai découvert le moodboard. Je crois que je suis resté un bon pro, mais devenu un meilleur créatif. Avant que ce glaçon ait fondu, vous aurez compris comment dynamiser vos présentations avec le moodboard. On va chercher l'adhésion entre le terrain avec aussi le siège, adhérer, aller vers on continue, on se booste, on se dépasse et on en fait des machines de guerre avec des auto-évaluations, des évaluations bon, qui vont quand même emmener vers des cadeaux. Ce qui était avec nous. Hein. Qui vont, c'est pour prouver qu'il était là. Ça ne croira jamais. Qui vont être à côté du qui vont des auto-évaluations, hein, if you work hard, your dream will come true, c'est quand même vachement important ça, donc aboutir à des jolies choses, à le plan de route qui va permettre d'organiser un petit peu mieux les idées, peut-être se retrouver face à des murs, à des choses un peu complexes, mais avec de l'entraînement, avec de l'écoute, et on va pouvoir grimper les étages, on va pouvoir aller vers un nouveau monde, hein, une nouvelle attraction, et passer au-dessus de ce mur, et leur permettre d'aller travailler avec le sourire, heureux d'aller travailler.